on a décidé de faire une énorme alliance entre les anciens et les petits pour faire réussir la lecture dans notre pays. Et c'est fondamental parce que c'est le seul médicament qui soigne la violence. Quand des jeunes n'ont pas de mots, ils tapent. Qui soigne le niveau de vie, puisqu'il y a une corrélation très étroite entre votre niveau de vie et votre vocabulaire. Qui permet donc à l'ascenseur social de refonctionner. Il faut des mots. Qui permet donc de réparer une société avec un livre qui s'appelle Le Chien Bleu. Voilà. Donc toutes les inductions sont positives. On a aussi des problèmes d'intégration en France. Lire et faire lire, c'est d'intégration douce. Devenez bénévole pour lire et faire lire, pour vous faire plaisir. Parce que vous allez, en partant à la retraite, vivre avec des enfants. Donc, il faut adorer les bouquins. Il faut avoir du cœur. Il faut être normal, quoi. Et puis, parlez-en autour de vous. Et plus les gens sont marrants, vos grands-parents, votre maman, votre tante, plus il faut les envoyer, parce que les gamins aiment les gens particuliers. Il faut aussi que les entreprises, avec ce qu'elles savent faire et les publics qu'elles parviennent à toucher, participent à cette œuvre collective qui n'appartient à personne. C'est très important que la Fondation Vinci Autoroute participe, parce qu'on ne va pas réussir tout seul. Il faut que tout le monde puisse venir avec un bout et que tous ceux qui sont capables de toucher tel ou tel public fassent leur part, comme la lectrice à Châteauroux, qui fait sa part à Châteauroux.